Et coucou les pilotes, salut les amis Aquaba et bienvenue sur la chaîne d'Air Côte d'Ivoire virtuelle. Welcome aboard. Les amis, on va déjà couper, on va couper la musique. Vous allez comprendre. Vous voyez, le moment est un peu tragique. Comme vous voyez, un bandeau noir. Aujourd'hui, le pilote Skill est en deuil. Voilà, on a un ami avec la VA partenaire avec qui. Avec qui on est et qui vient de perdre sa maman aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais porter toutes mes condoléances donc au pilote Delta, à notre ami Simmer. On va faire un vol ce soir, on va le dédier. Donc ce live sera dédié à sa maman, hélas, qui nous a quittés. Et voilà, donc on lui envoie tous les bisous à Delta, on t'envoie des bisous. Je ne sais pas si tu nous regardes ce soir ou si tu vas... De toute façon, quand tu regarderas... La rediffusion, voilà, ce vol est dédié à l'honneur de ta maman qui nous a quittés. Voilà, voilà. Sans plus attendre, je vais aller rejoindre les amis qui sont dans le channel. Et on va leur dire bonjour. Coucou les amis. Coucou. Donc comme je disais, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, pour une fois, ça marche bien. Voilà, c'est un signe. Comme je disais, voilà, ce soir, le live, je le dédie donc à la maman de Delta qui nous a quittés. Ah. Voilà, voilà. C'est très gentil pour lui, mais... Voilà, voilà. Et nous, on va voler en... Voilà. On va voler en son nom, ce soir. Donc voilà, on va se retrouver donc dans notre cockpit. Dans notre cockpit. Au passage, je vais dire bonjour. Donc déjà, je vais remercier Malabar qui nous a follow là à l'instant, pendant que le live est en train de démarrer. Coucou Crimox, merci pour tes condoléances. Donc il donne ses condoléances et qu'elle repose en paix. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Donc on va faire le petit débrief. Du coup, vous volez avec moi ou vous... Du coup, je sais pas ce que vous faites. Ouais. Bien sûr. Ok. Ok. Bon. Alors, donc, on est donc sur... Ah, c'est imprononçable les noms des aéroports ici. On est sur l'aéroport donc international de Chiang Kai-shek. Voilà, donc RCTP, Romeo, Charlie, Tango, Papa. Moi, je me trouve à la porte Delta 6. Donc, apparemment, je me suis connecté. J'ai vu qu'il y avait des problèmes sur les serveurs de Microsoft. Donc, je ne sais pas si vous me voyez et si moi, je vais vous voir. Moi, parce que... en tout cas, je te vois. Toi, tu me vois, d'accord. Ouais, je vous vois aussi, ça y est. Non, parce que quand je me suis connecté, il est marqué comme quoi il y avait des problèmes sur les serveurs et que le mode multijoueur ne serait pas disponible tant que les problèmes n'étaient pas résolus. Effectivement, je vous vois là-bas tout au fond. Ok, ok. Donc, on va partir. Donc, piste 5 gauche, la 5L. On prendra la seed Charles, unité Charlie. Donc Charles 1C, transition altitude sera de 11 000 pieds, ensuite on prendra la route T5 jusqu'à Agent, puis la route T3 jusqu'à MKG, puis la route A1 jusqu'à Magog qui nous amènera sur notre star, donc qui sera Magog 13, et ensuite, si on le trouve, on prendra l'aéroport donc de Keitak International, donc c'est l'ancien aéroport d'Hong Kong. Maintenant, aujourd'hui, c'est VHHH. Et là, on va atterrir sur VHHX sur la piste 13. Donc, c'est pas tout à fait un ILS, c'est un IGS. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, normalement, il faudra faire un virage par la droite au-dessus des buildings pour pouvoir rattraper la piste. Voilà, voilà. Normalement, au niveau de la météo, ça devrait être relativement correct. Hop, on va regarder ça ensemble sur la tablette. Sur la tablette du petit Phoenix. Et je suis content parce que j'ai l'impression que les réglages que j'ai fait, ça a l'air de marcher pas trop mal. Ça lag un poil, mais j'arrive. Ah ouais, j'avais un problème. C'était ouf. Balou, oh, un Malabar.
JP, salut. Ah, salut Malabar. Oui, salut, je vois, je regarde un peu le live. Flysafe, mon balou, bonne séance de kiné à toi. On t'attend après. JP, tu viens de nous rejoindre. Donc, comme je disais, le vol de ce soir sera dédié à la maman d'un ami qui vient de décéder. Donc, c'est un simmer aussi. Donc, c'est Delta de la team de Sim to Heaven, donc de la Sim to Heaven Airline, donc VA partenaire à Air Côte d'Ivoire virtuel. Voilà, donc ce vol lui est entièrement dédié en hommage à sa maman. Et on espère le revoir très bientôt et on lui envoie toutes nos condoléances, plein de bisous et surtout on lui envoie plein de force parce que je pense qu'il va en avoir beaucoup besoin dans ces moments difficiles. Voilà. Donc je disais la météo sur RCTP, on va avoir donc 105, les vents aux 150 pour 3 nœuds, donc quasiment pas de vent. Voilà. Donc parfait pour le décollage. C'est comme s'il n'y avait rien. Sur l'arrivée, effectivement, on n'aura rien parce qu'il n'existe pas ici. Et on va prendre donc l'aéroport qui est juste à côté, VHHH. On aura des vents aux 240 pour 6 nœuds. Voilà, donc on est bon. 240, ouais, on aurait dû normalement atterrir par l'ILS de la 31, mais ça aurait pas été rigolo. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, on va se faire la 13. Voilà. Au niveau du baromètre, à l'arrivée, on aura un QNH de 1004. Et au départ, notre QNH sera. Alors, ce sera pas. Ouais, c'est un QNH, il sera de 1006. Sur l'arrivée, donc la transition, le niveau de transition sera niveau 110. Je ne sais pas si vous avez pu avoir la carte que j'ai mise à votre disposition. Et sur la carte Oui, c'est d'arrivée, bon. c'est marqué qu'au-dessus de 998 hectopascal, la transition level était à 110. Donc, comme là On est on est à sûr. 1007, ouais, j'en suis sûr, mon petit Shelbo. Ah, mon Shelbo, je te présente des pilotes de la VA partenaire, donc Sim to Heaven Airline. Aujourd'hui, c'est un vol un peu particulier, mon Shelbo, parce qu'on a un de nos amis qui vient de perdre sa maman, et donc ce Ah, vol est un mes vol condoléances. hommage et lui est entièrement dédié. Je viens d'adresser mes condoléances. Allez, on va mettre donc notre appareil sous tension. On est parti, on va aller déjà. Hop. Alors, je me rappelle comment ça marche celui-là. Mass and balance. On va déjà aller chercher donc tout. Ça l'a fait tout seul. Alors, planète de 2500, ça c'est le cargo. Ok, le fuel 7183, c'est bon. 148 passagers. Ça a l'air correct. Et je pense qu'on va d'abord peut-être mettre en tension l'appareil. Hop. Ah oui, il n'y a pas de son de jeu, c'est normal. J'ai oublié, je l'avais viré la dernière fois. Faut que je le remette en route. Voilà. Et voilà. Ça devrait aller un peu mieux, je pense. Allez, on va mettre les batteries déjà et on va aller s'occuper de la tablette. Hop. Alors, normalement, ça marche juste comme ça. Pax list info. Ok. Ok, on est bon. On a le récent load sheet. Panel 7, ok, ça c'est bon. My flight, ça c'est bon. Ok. Il commence à faire les premiers tests. Hop, allez, on va activer les navs, le temps que ça s'arme. La nav 1, nav 2, on bat. Attendez, tout petit peu. Qu'est-ce qu'il est bien fait cet appareil, c'est impressionnant. Il est impressionnant ce petit. On va mettre l'enregistreur de cabine. Par contre, ça, c'est pas scripté. Le test, le CVR test. Ah si, il faut rester longtemps appuyé.
Voilà, hop, c'est bon, on a entendu le bip. L'oxygène, le crucible. Oh, merci mon Shelbo pour ton abonnement. Ça fait 3 mois de suite que tu prends un abonnement. Je te remercie et je t'envoie plein de bisous, mon Shelbo. Rien. Merci à toi, toujours fidèle, ça fait plaisir. Tac, avec tout ça, tu vois. Un peu la tête ailleurs, tac, on va se mettre en mode auto sur les strobes, on va remonter, on va remettre les pompes à fuel, on descend, on va mettre les seatbelts, les no smoking sur auto et on va remettre les emergency exit lights. Voilà, on est prêt sur notre overhead panel. Voilà, donc là c'est en on, c'est bon, l'overhead panel il est prêt. On va aller faire un tour maintenant dans notre FMC. Ok, on va aller dans AOC menu. On va aller Flight Unit. On va request le vol. Voilà, il est arrivé. On peut revenir ici. Est-ce qu'on a le message de la compagnie? Non, toujours pas. Donc après, on va aller, donc on retourne dans le MCDU, on va aller dans les configs, fuel, normalement, load fuel, 3000. Ça le fait pas tout seul, pourquoi ça me l'a pas mis 3000? Attends, il y a un problème. Avec la tablette, ça se passe comment? In tank, j'ai ça, mais je veux avoir ça, load aircraft. Ah, voilà. Ouh, en qui? 8 minutes. On va faire un fast time alors. Hein. 8 minutes pour avoir. Est-ce qu'on peut le voir se mettre? Ouais. Bon, mais ça c'est. On va le voir à l'extérieur. Ça a ouvert les soutes. Par contre, on n'a pas les. Non, ça vient pas. Ça vient pas vers nous. Non, ça vient pas vers nous. Le tantalope. On voit Denis qui s'approche. De faire On le bougement. ne voit pas l'image, on ne voit rien. Ah bon? Oui, on voit pas tout. Tu vois pas le cockpit. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, j'ai oublié. Ah, vous voyez, avec tout ça, j'ai oublié de. Hop, ça va aller mieux comme ça, non? Allez. Alors là. Oui, là on le Ah voit. oui, là en effet, on y voit un peu mieux. Ok. Merci Crimox. Nobby. Avec tout ça. Alors, là on voit que ça charge. Et du coup, je vais être obligé d'attendre pour faire mon centrage. D'accord, on est obligé d'attendre, ok. Minutes pour l'alignement des IA. Ah, ça faisait longtemps. Souvent, il me bloque ici. Flight Simulator, ok, il me prend une cartouche là. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, on va réaligner la petite boule. Voilà, ça sera fait. On peut déjà, en attendant que ça se met, on peut déjà, on a dit, j'étais en état 10-6, hein, comme ça. Bon, B, hop, ouais, 10-6. Pareil, ici on peut se mettre niveau 360. Hop. Alors, moi je trouve qu'il ne. Moi je trouve. Pareil, il y a un truc qui est moyen. Je sais pas vous qui utilisez
Vous connaissez déjà bien le Phoenix. Dans les paramétrages, est-ce qu'on n'a pas un moyen par défaut qui ne mette pas toutes les lumières allumées? Non plus. Je laisse par défaut parce que... Ah vache, moi j'ai toujours autant de problèmes avec le Discord. Ça aussi, il va falloir que je trouve une solution. Je reçois pas en Discord. Dès que je partage avec mon téléphone, il y a tout qui fonctionne sauf le Discord. Vous parlez, j'ai l'impression que c'est R2-D2 qui parle. Donc c'est pas... Ah voyons. Bah voyons. Si tu veux, on parle pas. Ah non, mais là, tu vois, ça marche. Bah ouais, et là, c'est mieux, là, quand même, ça. Eh ben oui. Eh ben tiens, c'est mieux. Appelle-moi Roboco. Alors, ah, ça y est, t'as plus de connexion. Non, ça va, là, j'attends pas. Là, j'ai... est-ce que j'ai la star, Mago? Alors, Sofiane, le BG93. Merci de ton follow et bienvenue à toi sur le vol. Que ce vol te soit agréable. C-Shark, bonsoir à tous. Bonsoir C-Shark. Bonsoir. Bon, les passagers sont chargés ou toujours pas? Allez, moi les IRS, une minute d'alignement pour les IRS. Ça y est, ça commence à se mettre. J'ai les DM qui se sont mis en route. Et messieurs, nous allons subir un... Ça va, le nouveau prix de le commandant... Bah... C'était presque... Il est trop au rhum. C'est ça. Trop de rhum. Manickel, hello la compagnie, ça roule. Ben, Manickel, ça roule, oui et non, parce que ce soir c'est un vol hommage à la maman de notre ami Delta qui nous a quitté. Voilà, donc c'est coucou mon Mani. Petit vol hommage. Sofiane, coucou, coucou à toi. Monsanto TV, hello, coucou Monsanto. Comment vas-tu? Ça fait un moment que je t'ai pas vu d'ailleurs. Non, c'est toujours pas terminé hein, l'embarquement là. Ah, ça s'embarque même sur la tablette. On a même plus besoin. À la rigueur, ils auraient même pu mettre les sons directement des passagers et après t'as même plus besoin d'LCLC quoi. Le self-loading cargo, ça fait presque pareil. Donc là on est bon, là on est bon. Eh ben là on est chargé hein. 2000. Ah non, il manque les passagers. On a le fuel. Donc à partir du moment où on a le fuel, ça veut dire que je peux lancer le tracker. Je vais te montrer une petite astuce aussi. Si tu arrêtes l'embarquement, attends un petit peu. Mais nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau. Ouais. T'auras tous les sauf ceux que tu as pas pris et tout zéro fuel weight. D'accord. Tu me réexpliqueras ça après le live parce que là j'ai entendu deux mots sur trois. Je te réexpliquerai ça. Tu verras sur le rediff. On doit être sur Canal Plus, je pense. Non, mais c'est ça. Mais qui est le monsieur sur le Discord? Alors, avec moi sur le Discord, il y a Denis, et il y a Yannick, et il y a Shell Bobby, et il y a JP. Que je sais pas s'il est là déjà. JP, s'il est là ou pas. Ouais, si, il est là. JP, il est là. Il y a Zach. Une petite seconde, Shell Bobby, s'il te plaît. Il y a Zach qui est là. Aussi avec nous. Allez, le tracker, ça y est, il est lancé. Le vol, c'est bon, il est lancé. Alors, à partir de maintenant, on va essayer de rien oublier. Sinon, on va se prendre des petites bananes.
La grosse voix. Ma bouvierie. La grosse voix de Mal Alpha. Ouais, non, la grosse voix de Mal Alpha, on sait pas c'est qui. Hein. Et là, je n'ai pas de mal. Là, on est bon. Tout est chargé. Ok, ça s'est chargé. C'est parfait. Là, on continue sur le. Hop. On va aller maintenant. Alors, dans l'init, on va pouvoir request. Quand il veut. Ok. Alors, flight number, moi je serai HF001. Cost index. Ah, mais ça m'avait dit quoi, cost index? Ah, bah, cost index, du coup, faut que j'aille chercher l'OFP. Bon, on est bien. L'OFP, Malflight, ils sont où les documents? Est-ce qu'on a des documents? Oui, avec les capitaines, il me semble. Est-ce que ce serait pas là-dedans? Et moi, je vais bien, Monsanto, je vais bien. Opérationnel, Clike. Allez, Clike. On Clike. Import from Simbrief. Cost index de 30. Parfait. Cost index de 30. Level 360. On va. Les IRS sont bien alignés. On va request les vents. JP, le tracker, tu peux le lancer à partir du moment où tu as fait le fuel. Dès que tu as fait le fuel, tu peux lancer le tracker. Next phase, ok, previous phase, comment ça, next phase, descente, climb, ok, d'accord, ça roule, allez, hop, return, ça c'est bon, allez, on va faire un petit coup à droite, le zero fuel, ah oui, c'est vrai que ça, ça me le met plus tout seul, et je vais le chercher, il va chercher toutes les infos, bon, on va faire ça déjà, ah non, faut que je fasse photo. Ah, par contre là il n'y a pas tout sur le même truc à chaque fois. Allez, zero fuel weight, donc on est en 58.4, centre de gravité zero fuel 31.4. ok, et le nord, on a dit 58.4/31.4. bloc fuel, on est à 7.2. Voilà. Du coup, je peux revenir sur mon OFP. Alors, contingency 653. 653, on est à 0,2. Donc là, 650, ça fait 0,7. Ici. Alternate. Alternate 511. Alternate 511. Donc 0,5. Et le final réserve qui est de 1,08. Donc 1,1. 1,1, ce qui nous fait du 1,6 en minimum destination fuel on board. Là, si je contrôle, c'est le final réserve plus l'alternate 1593. On est bon, ça fait 1,6, donc c'est bien ça. Là, on est bon. On est bon, on va pouvoir passer sur le flight plan. Donc on a dit RCTP. Donc c'est là où on va voir
Ton ISA, il est de plus 15. Il faut pas que tu l'additionnes à ta température de croisière. Faut que je voie. Je sais même pas si c'est scripté là ici. Allure. Départ. On a dit la 5L. Unité Charlie. Voilà, on insère ça. Et donc du coup tu m'as dit JP qu'il y avait un problème avec le l'arrivée. Arrival. Donc on arrive sur l'IGS 13. Alors qu'est-ce qu'on a alors? Maggo 13, il est là. Tu dois pas voir tes Zerak à jour à mon avis. Parce que là moi je l'ai bien. Transition d'Otmi et Lato. Alors là il m'embouche un coin. Du coup faut que je prenne le Little Nav Map. Transition, Love Me et la tour. Moi j'ai pas de transition moi. Moi il n'y aura pas de transition. Attends, c'est quoi? J'arrive Mag 13. Transition, j'arrive par où moi? Du coup. Non, moi j'arrive direct Mago. Direct Mago. Est-ce que là il me. Non, il me. J'avais pas de transition moi. Mago, voyons voir ça. Afficher procédure de destination en piste 13. Mago 13. Transition. Voyons voir. Ça dit quoi? Dotmi non. Et Elato. Alors ouais, on est sur une transition Elato du coup. Je confirme la transition et l'ato. Ok, transition et l'ato, on peut insérer. Ok, là on est bon, là on est bon. Il est magnifique ce petit MCDU. Hein. Ce deuxième vol que je fais avec, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est un plaisir. Ok, et ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Maintenant on va faire la performance. Performance. Donc, ouais, c'est vrai, c'était là-bas aussi. C'était dans la tablette. Ah, ça c'est pas mal qu'ils l'ont mis dans la tablette. Donc, décollage, il me semble, c'était là. Si je me rappelle. Synchroniser avec le load sheet final. On va request la température. Vent variable au 0,3. Température plus 25. Config flaps. Moi je vais démarrer Flaps 2. Pas de toga, anti-ice, les packs. Moi je vais les laisser allumer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de plus de puissance. Là c'est bon. Ok. Tout shift, ça marche pas ici. Si ça marche, là, tout shift ou pas. Ça c'est bon. Allez, on va calculate. Est-ce que ça nous l'envoie direct? Non, ça nous l'envoie pas direct. Donc, faut noter 150, 150, 153. Trim. Donc, on sera. Donne 0,2. Flex temp 68 degrés. Allez, on a tout ça. On a ce qu'il faut. Donc, deux crans. Trim basse. 0,2 flex temp 68 degrés vitesse unité 150 vitesse de rotation identique 150 vitesse de sécurité V2 153 transition altitude
11 000. Thrust reduction. Alors là, il faut qu'on aille vérifier sur le navigraph s'il veut démarrer. Pour la transition, ben, tout simplement, c'est que le NX, c'est un Neo. Et il a pas le même flex et les valeurs sont pas les mêmes non plus sur ta trim. Si tu regardes ton volant de trim, les valeurs ne sont pas placées au même endroit. Aussi, c'est pas du tout le même. Import la route. Et pour la, ouais, la transition, ouais, sur l'OFE. Ouais. Non mais je l'avais pas mis en fait. La transition, je l'avais pas mis sur. En fait, c'est pas, c'est l'OFP. En fait, c'est moi qui le fabrique avec. Je le fais avec Little Navmap et je l'importe après sur SimRiff. Allez, voyons voir. Il va falloir qu'on regarde les ground charts et notamment les cartes de départ. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et par contre, il nous disait standard MV, standard point, standard procédure, visibilité, surface, taxi, visuel. On n'a pas de ça, low visibility. Ça, c'est que les taxis, c'est que les taxis. D'accord, donc ils n'ont pas de contraintes. Info. Conditions de départ, take-off, on va voir. Runway, il ne parle de rien là, non, non, non. Donc on va partir sur une procédure NADP1 classique. Du coup, élévation de l'aéroport, j'avais dit qu'il était à 108. Donc on va faire un 803 000 classique, 803 000, 1500. Ça fait 108, ça fait 908, 3108, 1608. Donc 908, 3108. Ici, thrust reduction 908 pieds, altitude d'accélération 3108 pieds, mise en palier 2K, problème moteur. 1608 pieds, c'est l'altitude de sécurité de notre appareil. Et bien voilà, on est configuré. On va pouvoir procéder donc à la mise en APU, enfin la mise à APU de l'avion. Donc on va allumer le master. Et on va attendre que les volets de l'APU soient ouverts pour pouvoir démarrer la génératrice de l'APU. Sinon, on peut dire adieu aux passagers, on va les intoxiquer. Voilà, flaps open et on peut lancer l'APU. On va pouvoir mettre le beacon. Et normalement, de toute façon, il n'y a personne à l'extérieur. Voilà. Ah, il y a quand même ça qui est raccroché encore. Ah oui, je suis pour dessus. Hop. Le sol, ça se passe où, tout ce qu'il y a au sol. Ça marche bien sur le Phoenix, le repoussage. Faut le faire avec les. Avec les flèches là, ça marche pas avec le joystick. Flèche. C'est moyen ça. Ah, du coup, je vais peut-être. Enfin, mais ça marchait pas non plus avec. Et surtout, faut pas. Ok, surtout, faut pas. Je crois que ça veut dire faut pas prendre du touchback put bar ou du pushback express. Non, je pense. Non, ils sont incompatibles. Les deux sont incompatibles. Et pourtant, hier, je l'ai fait avec. Mais t'as un message d'avertissement hein, qui te dit que c'est pas compatible. Ah oui, mais sur le toolbar, mais sur le pushback express des Fest to Crew. Bah, moi, ça a pas marché.
Ah ouais? J'avais vu moi et c'est ce que j'ai fait hier, faut juste appuyer sur start. Mais bon, on va le faire comme ça. De toute façon, au pire, j'ai même la place pour faire le demi-tour par la droite. Il y a du monde, je vois JP, C-Shark, allez-y, vous pouvez commencer à y aller vers là-bas. La pub, ouais, il est available, donc on va mettre la pub blitz, on va sortir l'external power, on va retirer la pub les chocks. Voilà, on est indépendant, parfait. On peut faire un contrôle, ok, plus de chocks, plus de rien. Ouais. Et la 02, elle est la 05. Ah ouais, elle est là-bas. Normalement, repoussage que à droite, que à gauche, je veux dire. Vous voulez qu'on décolle comme avec Sim, toutes les 2 minutes ou toutes les minutes, je sais pas, comme vous voulez. Ouais, faire ça me va. Oui. Bah, ce qu'on va faire, on va se rapprocher de là-bas déjà. Donc je vais mettre le, je mettrai le chrono quand on sera là-bas. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Allez, on va demander le repoussage. J'ai le beacon. Je suis parfait. Ok. Beacon, c'est parfait. Alors, faut demander le repoussage, c'est par ici. Comment on fait? Connect tug. Voilà, le tug se connecte. Par contre, j'ai aucun visuel. Du coup, c'est un peu emmerdant là. Ouais, c'est ça. Hop. Ouais. Du coup, comment on va se débrouiller? On va faire du. On va faire Alt 0. Là, on va reculer au maximum. Et est-ce que ça map les touches et map avec les touches du clavier gauche et droite? Ça serait bien. Non? Ça serait trop beau. C'est pour ça que j'ai déporté la tablette. QED. Mais toi, t'es trop intelligent. Mais voilà, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà, il n'y a plus de problème. La tablette est déportée. On s'embête plus. Oui, j'ai plus. Plus. Ok, request pushback. Attendez, parce que là, du coup, j'ai peut-être oublié deux, trois petites choses. J'y pense. Voilà, en mode auto. Là, on est bien sur 2000. Et par contre, j'y vois rien. C'est chaud. 5. Non, 6. Ok. Regarde mes vues un peu que j'ai paramétré. 5. Non, c'était 4. Voilà, 4 c'est le bas. Voilà. Là, je suis bien sur auto. On est bon. Là, et après, on se mettra TAA. Ok, parfait. Let's go. Start. Alors, on va active. Ouais. Si, vas-y, active-le, le pushback. Comment ça marche ça? J'ai pas l'impression qu'il marche beaucoup le truc. Ah bah attends, j'ai peut-être enlevé le frein de parc, ça marche mieux. Bon, en espérant qu'il soit pas inversé. Et là, je sens le truc qui. Alors, hop, je mets ça. Ignition, start engine tout. Voilà, ça arrive. Alors, on va voir. Ouais, il est un peu chier, quoi, le virage. Bande de Dieu. Attends. Ah, là, j'ai poussé l'accoudoir. Attends, on va faire comme ça. On va essayer de bien se coller sur la ligne. On va peut-être y arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Allez, stop pushback. Stop, 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 j'ai dit.
Voilà. Tu peux enlever le truc. Thank you. Can disconnect the GoToWebSignals signals. C'est bon, il est available celui-là ou... Et on va mettre le moteur 1 et on va aller regarder son démarrage. On entend les pompes. Alors, d'autres streamers utilisent pushback d'Ambitious Pilot pour le Phoenix. Kevinat, salut, on va prendre un peu de chat. Ok, merci, ok, effectivement, ouais. Tu verras, c'est vraiment pas les mêmes trims. C'était ça, je me rappelle de ce qu'on discutait. Kevinat, salut Kevin. D'autres streamers utilisent le pushback d'Antis Pilot. Ok, ben je regarderai ça, j'y viens. Je vais voir. Et franchement, faut que je monte le son même. Allez. J'hésite, mais je le vois pas available. On va armer ça, on va descendre deux crans de volet. On va mettre, allez, regarde là, s'il marche bien sur max. Voilà le petit auto break sur max. Ça c'est bon, c'est bon. Attends, il me manque un truc là. Ça ouais, c'est la trim qui me manque. Le flight control, on a dit c'était down 02. Non, là je suis en up. Dans l'autre sens. Down 02, voilà. Ok, la trim est bonne. Ça c'est bon, ça c'est bon. Flap sous. Les spoilers sont armés. Moteur démarré. Auto break sur max. Inistar sur norme. Inistar sur norme. On peut couper l'APU. On peut couper. L'APU bleed, on peut couper l'APU, on va mettre, bah, je peux mettre les nav logo déjà, les feux de taxi, les runway turn off et les feux d'aile aussi. JP, vas-y, tu peux décoller, hein. Tu peux y aller. Si Shark, tu pourras t'aligner juste derrière. Donc je regarde 47. Allez, on y va, on avance. Frein de parc, il est défait. Clear on the left, clear on the right. Par contre, si je vais mettre les contraintes, me mettre à 10. JP 972 cleared for takeoff. Runway 5 left. Ouais, eh ben, l'alerte qui sonne, c'est comme quoi tu as désactivé l'autopilote et tu dois recliquer normalement sur comme quoi tu acquiesces l'alerte. C'est le rouge, je crois que c'est celui du bas. C'est un des deux de toute façon, même tu cliques sur les deux au pire. En fait, les alertes, dès qu'il y a une alerte, si tu cliques pas spoiler, arme. Attends, il s'est pas armé. Là il s'est armé. Voilà. Tio config. On est bon, normal. Pas du check. ICAM, statut, normal, c'est bon. C-Shark, tu peux y aller. Si tu veux. Ready for takeoff. Denis, Yannick, ah, vas-y. Attends, on est derrière. Ok, vas-y, je vous laisse passer, si vous voulez. Allez-y, je vais me mettre sur la gauche. Hop.
Vas-y, vous avez qu'à passer. Ben, le premier qui arrive, ben, Denis, si tu vas derrière Sea Shark. Sea Shark, tu peux y aller là. FSE Looping, bonjour, bonjour FSE Looping. Comment vas-tu? Quelle belle livrée. Ah ben je vois plus Yannick en fait. Par contre moi, je trouve qu'il a un peu de mal au répondant sur le trust. Il met un peu trop de temps à répondre sur la... Entre le traceur bleu là sur le N1 et au moment où il va commencer à déclencher, je trouve qu'il y a beaucoup trop de latence. Gen 1 et Gen 2. Mes écrans. t'as pu les rallumer? Eh bien oui, si, eh bien oui, effectivement. Si tu mets Gen 1 et Gen... Tu t'es trompé. Au lieu de couper les packs, t'as coupé les génératrices. À tous les coups. 22. Tu n'as pas touché. Ah ben là, il va falloir contrôler. Ah, le company message, c'est la météo ça. Ouais, t'as peut-être 23, faut que je fasse gaffe. À 25, je me prends une pilule. Ah, j'ai mis le beacon cette fois. Me dis pas que j'ai oublié les beacons. Non, c'est bon. Ah, ouf. Ouais, ouais, c'est le lot sheet, ouais, je sais. Ouais. Ben, faut que je l'acquiesce là. J'ai oublié de l'acquiescer. Du coup, Denis, si tu vois toi Yannick, parce que moi je le vois pas. Ou alors c'est le nom que. Attends, faut que je regarde dehors. Au pire, tu le laisses c'est passer. C'est Taverne. Ah, c'est toi, Taverne. D'accord. Oui, c'est Taverne. Mais comme la taverne, quoi. Faut savoir. Bah, nous, on a l'habitude. Ça m'étonne pas, quoi, la taverne. Vas-y, t'as qu'à passer devant. Hein. Ah, bah, vas-y. Bon, ok. Denis, vas-y. Bah, vas-y, direct. Hein. Vas-y, okay, bah, je décolle. Je déconne, et moi, bah, dès que je te vois faire ton virage. Tu me dis dès que tu amorces ton virage, j'envoie derrière. Ok, donc. Hop. On va mettre. Allez. Les feux. Mais non. Les feux. Code de voir 001 lineup runway 5 left and wait. Allez, TAAA engine marsonator norm pax on before takeoff. Complete. Tu me dis, Denis, dès que tu as fait ton virage. Hein. Oui, pas encore. Non.
Ok, je vois, t'es en virage. Allez. On va mettre... Ah non, dans l'autre sens, les strobes. C'est quoi ce take-off? Code de voir 001. Clear for take-off, runway 05, left. 50% N. 50% N établi. Dineux. 29, flex. Ah, il répond bien. Hein. Ah, le bruit qu'il fait, c'est... Oh, ça te capture. Sans nœud, check. V1 rotate. Positive climb, gear. Ah, c'est joli hein, quand même. Climb. Let's one. C'est bon Yannick, tu peux y aller. D'accord. Flap 0. Qu'est-ce qu'il est agréable à conduire, à piloter, je veux dire. Quand t'as les bons réglages là, franchement, alors ça, tout en manuel, j'ai fait ça, je vais me faire toute la side là. Regardez ça, les amis. Dans les nuages, encore une pensée à la maman de Delta. On y pense très fort pour ce vol hommage. Yes, mais non, là on est bon là. Regarde, t'as 23-11 degrés là. T'as pas d'anti-ice au décollage.
Faut que tu sois en dessous de 10 degrés. C'est quand tu es en. Faut que ta TAT soit en dessous de 10 degrés. À part que même à 10 degrés, tu peux. Et autrement, en descente, quoi qu'il arrive, dès que tu passes une zone d'humidité, tu te mets les anti-ice en descente. Sur la montée, ça va. Allez, on va le faire. On va le faire virer un poil, cet avion. Ouais. Si tu veux, j'ai fait un tuto Crimox sur ça, sur le YouTube, sur la chaîne YouTube, j'ai fait un tuto où je décris tout le système d'anti-ice. Pour juste 3 boutons, j'ai fait une demi-heure de tuto. Allez, on va passer en mode de standard. Voilà, alors on pense bien mettre les deux, sinon il nous met une alerte. Faut qu'on soit côté pilote et copilote, on va essayer de rattraper. Le fly director, voilà. Ah, je vais me faire. Non, ça va. Ah, si, j'ai oublié. Oh merde, j'ai oublié. Voilà, trop tard. Les feux d'atterrissage, j'ai pris la banane. Ça y est, à 12 000. C'est bon. C'est foutu. Allez, fini le 100% déjà. C'est mort. Non, voilà, je discute, je parle et j'oublie les choses. Ouais. C'est ça. Ouais, je l'ai. Allez, on va mettre l'autopilote. Voilà. Autopilote armé. Comment ça se passe ? Pour vous, ça se passe bien. Yannick, taverne 76, taverne. J'aurais vu plus en Jackie et Michel, moi, Yannick, non, taverne. Pierre Storm. Mais oui, mais non, mais j'ai dit le TBM. J'ai dit, c'est vrai, en plus, t'as raison. Hein. J'avais dit le TBM, mais je me suis trompé. Là, c'est Hong Kong. C'est Hong Kong. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé le replay, c'est vrai que j'ai entendu, j'ai dit TBM. Que je vais prendre le TBM, mais non, là, je peux pas prendre le TBM. Il y a 2h20 de vol. En TBM, c'est compliqué. TBM à 220 nœuds. Oh, voilà. On avance seulement 17 500. Allez, on va dézoomer un peu là. Hop, on va se mettre 360. On a passé, on est presque arrivé, on va pouvoir libérer les passagers de leur siège. Bon, déjà j'ai pris au moins 5% là. Ah bah. Et en plus, moi c'est Zaki. Salut les amis. Zaki, tu nous rejoins, tu prends le F-18. Je connais une chanson, Zaki. Zaki, Zaki, ta 4L. Bon, par contre, ils ont toujours pas rectifié le. Faudrait qu'un jour je monte dans un cockpit pour voir. Si vraiment on entend autant de vent que ça dans le cockpit, parce que c'est impressionnant quoi.
en tout cas. Timon. Ah, si, tu vois, j'ai tenue. Dans son environnement, un truc comme ça. Ok, quand petite tenue. Nathan, bonjour Nathan. Ça. Comment ça va? Alors, frère ami, bonjour à tous. Tu nous avais manqué. T'as vu, je reprends ton rôle, Yannick. Hein. Tu fais... tu reprends quoi? Ah, parce que moi j'entends très très mal. Donc quand je live sur le Discord. Candy. Et du coup tu nous suis Nathan? Non, j'ai pas été. T'as pas quoi? Décollé encore. Ah, t'as pas décollé. Ah, mais il fait le vol quand même. Ah, mais c'est ce que j'ai demandé. Il va faire le vol là. Je voulais les quins avant, c'est pour ça. Tu voulais voir qui va se ramasser d'abord. Parce que. Nick, y'a yeah, Nick. C'est pas. Qui va aller faire la bise à la petite coréenne du 26e étage de la tour qui est juste devant la piste? Ah bah c'est moi. Allez, on est en montée. On est en montée tranquillement. Niveau 245. On a une vue splendide. Et est-ce que ça vous le fait à vous? Moi, souvent, j'ai les paramètres là, des trucs d'assistance qui se réinitialisent tout seul. Ah oui. Bon, mais alors, mois, oui. Ça m'énerve. Et moi, c'est souvent dès que tu as une mise à jour du fly-by-wire. Dès que tu as une mise à jour du fly-by-wire, tu peux y aller. Boum, réinitialisation des trucs d'assistance. Tu démarres, ça te met des messages partout. Le vol, il te met volocopter. Eh, c'est ça. Volocopter. Comment on va s'appeler là le capitaine machin là dans le supercopter là? Ah oui, Duke, avec son casque noir là. Il s'appelle Spring Fellow. Fellow Hawk, voilà. C'est ce qu'ils ont pris pour lui, tu vois. Et avec et le vieux, c'était Dominique, je crois. Il s'appelle Dominique Santini. Santini. Ouais. Moi, il y a certains paramètres du Phoenix qui ne sont pas sauvegardés. Ah ouais, t'as raison. Genre, tu vois, les fans qui a redisparu. Donc. Ouais, ça arrive. Là, il faut aller dans Sim Sitting. Normal, ouais. Mika. Pourquoi? Parce que t'as du. Ouais. Ouais. Tu changes de livret, c'est comme le PM. Ah bon, ouais, ça enregistre, d'accord. Merde, c'était Airframe? Non, c'est pas Airframe, contrôle. Non plus. Airline modifiable, c'est là. Voilà, Breakfan. Voilà. Ça, c'est faux. FLS, c'est quoi FLS? Je me rappelle plus. Essence auto switching. Ah, c'est essence auto ticasse. Ah, mais non, mais non, mais ah, ouais, d'accord. Ouais. Et non, mais faut pas le mettre automatiquement. Je me suis fait chier moi pour le mettre le ticasse.
en cas d'alerte anti-go. Ouais. Change de... Il monte ou il descend. Ouais, ouais. Allez, on arrive niveau 295. Et fils barreau, je l'ai pas mis en indépendant. Ben moi c'est par défaut. Hein. J'ai pas touché moi ça. Ça se change ça, indépendant. Oui, pour le barreau. Ben ouais, mais moi ça m'arrange moi si on peut. Attends, c'est où? Contrôle. Contrôle. FI... Ah ben voilà, LinkedIn, ben ouais, c'est mieux, à chaque fois t'es obligé de cliquer à l'autre bout. Ouais, ouais, ouais. La fois j'avais une alarme, je dis mais c'est quoi cette alarme? Je savais pas c'était quoi qui sonnait, je regarde comme quoi il y avait le... ouais. Un écart ouais. Entre le pilote et le copilote. Parce que moi j'étais ouais. Passé en standard mais pas à côté. J'ai fait ah. Ouais, j'ai eu ça. Alors save défaut, attends, save défaut ça me remet par défaut, non. Je le save comme défaut, voilà, config ça va être comme ça, là ça reste. Auto door, auto jetway, ok. Incremental thrust handling. Mais moi j'ai un anglais les amis, mais alors. J'ai un anglais. Mis à part l'anglais de FS to crew, je suis un gros tricheur quoi. Quel est ton ami? Trust handling, et c'est exact ce que je suis en train de faire, tu vois. Traduction. Handling, je dirais que c'est main, ça doit faire le end, ça doit être un truc avec la main, mais. La question est incrémentale, vas-y. Incrémentale. Trust. Bien sûr, ça marche pas. Incrémental et bien sûr j'y vois pas ce qui est écrit, voilà, ça s'écrit comme ça, incrémental, ok, incrémental comme ça, trust UHDE ending. Bon, de toute façon, même en français, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, manipulation de poussée incrémentielle, d'accord, à tes souhaits. Au revoir. On va le laisser par défaut. Pédale disque Tyler. Bon, ça, je sais, ça, c'est lui. Là. Ça, c'est si je veux séparer du. C'est pour ceux qui utilisent une manette. Ah ben voilà, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Eras. Ah ça c'est les annonces. D'accord. Ça c'est les altitudes. Ok, 2500 pieds, 1000 pieds, 500 pieds. 100 pieds, 50. À 5, t'as, j'ai plus besoin de le savoir. Entre 10 et 5, en principe, déjà rien qu'à 30, je suis déjà en flair, en norme. Presque en dessous. Non, juste en dessous. À 30, normalement, tu coupes les gaz. Ok, d'accord. Cabine, qu'est-ce qu'il y a? Cabine light. Ah, ben voilà! Attends, cabine visibility, c'est-à-dire que j'y vois plus? Fais ça, tu n'as plus. Ah oui, j'ai plus de. Ah oui, j'ai plus de derrière, c'est ça. Ouais. Voilà, il n'y a plus de. Ah oui, d'accord. Effectivement. C'est un bon moyen pour se faire passer de chien. Pour se faire quoi? Pour se. Et cabine light, ça va être. Donc du coup, cabine light, ça va être pour éteindre la cabine. Ok. Ah d'accord. Ok, je vois c'est quoi. Cabin light, voilà, donc là c'est éteint. Ah oui, mais c'est cool ça, ça fait voir 9, voilà, normalement c'est comme ça quand tu décolles, tu dois éteindre les lumières quand tu décolles et quand tu atterris. Ok, si tu veux pousser le réalisme, ah c'est bon ici. Ça peut... C'est où? Ben, dans cabin light, tu vas dans cabine là, dans les sim settings,
et sim setting et tu fais cabin light. Parce que normalement, est-ce que je peux rentrer dans mon avion? Tu vois, normalement ça va être par là-bas. Là, normalement, tu as le panneau des lights qui doit se situer ici. Ah, juste là, là, tu vois, les light cabines. Les light cabines, ils sont là. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas scripté des boutons où tu peux venir pour appuyer dessus pour allumer les. Normalement, c'est là. Tu vois. Et par contre, quand tu es en mode de drone là, ça bouge un peu quand même. Faire un tour dans la cabine. Là, on a le siège. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les fusibles aussi. Ah ouais, mais il bouge beaucoup. Ah, il tombe même. Ah, il tombe là. Hop là. Allez-moi cette livrée qui est pas belle. Allez-moi, Air Côte d'Ivoire Phoenix. Et pour dispo, normalement il y a du bien du bon dirty à la disponible. Light cabine égale, je crois qu'il s'agit des lights interdits de fumer et des ceintures qui s'allument. Non, pas du tout. Regarde, je te montre. Là, regarde, tu vois, là c'est allumé. Là, c'est allumé. Et quand tu vas ici, là tu fais ça, tu éteins, tu retournes, ça éteint vraiment la lumière de la cabine. Les ceintures et tout ça, c'est réellement. En fait, c'est réellement. Faudrait que je puisse me reculer même. Si j'arrive à me reculer. Tu vois. Par exemple, là il y a la cigarette, il a allumé, les ceintures elles sont éteintes. Je vais enregistrer cette position d'ailleurs, comme ça sera mieux. Et là, si je retourne dans la cabine, par exemple, je dis tiens, ben maintenant vous pouvez fumer. Allez, hop, je sors ici. Ouais, normalement on a plus. Mais normalement c'est même plus la cigarette, ça reste tout le temps allumé. Là c'est PED. C'est les personal device equipment, c'est tout ce qui est portable et tout, logiquement c'est plus normalement c'est plus ça, c'est plus c'est beau. Et là tu vois, là c'est toujours allumé. Oh putain, on va m'appeler Bonaldi. Attends. Non, Patrice Carmouze. Patrice Carmouze quoi. Wow, ça c'est parce que ça marche tout le temps, donc il y a marqué non machin, mais c'est le PD. Et là regarde, si maintenant je mets les ceintures, là par contre elles vont s'allumer les ceintures, ça c'est sûr. Voilà, les ceintures elles s'allument, mais ça marche pas apparemment. Et donc normalement ils devraient avoir un truc de portable, donc il y en a un des deux qui marche pas ou qui reste tout le temps allumé, c'est pas normal. Allez, je refais. Là j'éteins les deux. Est-ce que maintenant tu veux m'éteindre? Non, il veut pas m'éteindre celui-là. Et pourtant, je l'avais testé, ça marchait, ça l'éteignait. Donc, quand on vole, il faut pas que ça soit mis. Quand tu es en bas, ça marche. Va me faire penser à le retester quand on sera sur la terre ferme. On va le laisser en auto. Et ça, les emergency exit lights, en fait, si je l'allume. Si on va en cabine, normalement c'est les lumières qui sont au sol et les panneaux exit. Voilà, tu vois le panneau exit, il est allumé. Je sais pas si tu vois là en rouge, il est éclairé, là c'est éclairé. Et normalement au sol tu dois avoir des lumières qui te dirigent vers les issues de secours. C'est rare quand il y a un problème que tu arrives jusqu'à l'issue de secours en fait. Mais bon, je sais pas. Ça veut toujours servir au cas où. Et le fait de le mettre sur arme, c'est si c'est un problème, ça s'allume tout seul. Voilà. Et là, si on y retourne, normalement il est éteint. Logiquement. Voilà. Et là, il est éteint.
Là, on voit même sur les portes, ils sont éteints. Ouh, Pierre Storm, merci, un abonnement de 6 mois. Oh là là, merci mon ami, bisous. Envoie des bisous, merci à toi. Merci pour ton soutien. Vous savez, tous ces dons là, ça va partir, vous le savez où. Hein. Si vous savez pas, je vous invite à aller voir le vlog. Le vlog de la création du Home Cockpit. Projet de fou, mais on va y arriver. Là, on est bien en mode. Et là, vous avez le point ETP. Ouais. C'est. Qui sait ce que ça veut dire? C'est la nave. Non, le point ETP. Oui. Equivalent time points. Ça veut dire que ce point-là, c'est le point où, en fait, tant que tu arrives à ce point-là, tu peux faire demi-tour et retourner à ton aéroport de départ. Dès que tu as passé ce point-là, tu ne peux plus faire demi-tour. Tu vas soit à ton aéroport d'arrivée, soit à ton aéroport de déroutement, j'allais dire détournement, de déroutement. En fait, c'est le temps, c'est que tu as autant de temps, c'est ton milieu de trajet en fait. Voilà, l'équivalent time points. Voilà, c'est ça. Il est revenu, le Shell Bobby, Shell Bobo, Shell Bibi. Je t'ai vu. De quoi vous parlez? Et oh là 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 là, ça offre des abonnements là. Oh, Bédo01, Denis, hey, Denis, tu vas me mettre en PLS. Et Balou aussi, j'avais pas vu. Balou, un abonnement. Oh, merci mon Balou. T'as pris un abonnement et il a offert un abonnement à Mani, Manigel, Denis Bédo a offert un abonnement à C-Shark. Il a offert un abonnement à Nathan que j'ai cherché pendant un mois quoi. Nathan qui m'a fait un don quand j'ai vu le don, je suis rentré chez moi, j'ai vu le don, j'avais même pas vu le don avant que j'avais fait le live. Pendant le live, j'ai même pas vu. C'est en regardant la rediff, je regarde comme ça et je regarde le dernier donneur. Je fais, c'est quoi ce don? Il y a un bug? Non, il n'y a pas un bug. Et après, je ne connaissais pas Nathan, mais c'était le simulateur. Quoi. Donc, vu que j'étais en vocal, je te remercie Nathan. Vraiment, merci, ça m'a touché du fond du cœur. Et mon Balou, mais et, tu t'emmerdes dans la salle d'attente ou t'es en train de te faire couper en deux par le kiné? J'espère qu'elle est jolie au moins la kiné. Il vient de rentrer. Ah, mais il est là en plus. Salut Balou. Salut. Je viens de... Allô. Ah. T'as l'air sur la cabine. Quelle peur s'il va nous prendre sa voix de... Bon, on arrive à Tchadlo. Non. Voilà, bon. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi le Discord, quand tu passes par une source externe d'internet, il marche très mal. Non, il marche très bien de mon côté. Aujourd'hui, elle accepte pas. Non, mais non. Genre, tu fais une partage de connexion avec ton téléphone. Avec ton téléphone 4G, tu fais une partage de connexion. Et tu mets pas le Discord sur ton téléphone. Tu mets par exemple le Discord sur ton ordi portable, par exemple, et tu essaies de te connecter sur ton téléphone pour pouvoir avoir l'internet. Et bien ça déconne. Et il y a plein de gens comme ça sur j'ai vu sur internet qui ont ce problème. Là c'est bon, expliquer ça. J'ai pas trop compris. Non, mais je me suis même pas compris moi-même. Non mais il n'y a que chez lui qu'il a ça. Non. De toute façon, quand il est obligé de couper
pour qu'il y ait une bonne connexion. Moi je te dis, demain pour avoir Orange, je fais un hold-up pour avoir vite non, la fibre. Non, et franchement, Chelbo, j'ai eu le journal là, de mon patelin. Le journal de mon patelin, il me dit je vais avoir la fibre avant fin 2022. Donc au maximum, dans 6 mois, je suis fibré. Alors c'est bon. Ouais, il dit ça. Là, je vais te dire. Je veux dire, je te rassure, moi dans ma. Ils ont installé la fibre en 2020. Yes. Ouais, mais... Après les amis, je sais que s'il y en a qui veulent nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous allez dans Lounge quelque part comme ça, là où vous pouvez aller, et je vous switcherai s'il y en a. Pierre Storm, tout ça. La politique Orange, moi je la connais très bien, la politique d'Orange, puisque je travaillais pour eux. Donc, en gros, c'est plus on te fait payer et moins ils dépensent, mieux c'est. Tu vois? Voilà, c'est tout. C'est la politique d'Orange. Jean-Paul. Déjà, plutôt calme. Déjà, tu me respectes de te mettant. Déjà que tu m'affiches la Discord et tout, déjà. Donc, attention, hein, ça vous fait. On arrive à Cadlo. En tout cas, les amis, je vous remercie à tous d'être là. Et on y pense encore, mais on ne dira pas assez ce soir. On pense très fort à notre ami Delta qui vient de perdre sa maman. Et on lui envoie plein de soutien. Il est complété. Voilà, on y pense très fort. Et, merci. Et on est avec toi, Delta. Quand tu regarderas le stream, ou même si tu regardes maintenant, je pense pas que tu regardes maintenant, mais si tu regardes la rediffusion, on est avec toi et on te soutient. Et quand tu seras de retour, on sera là. Et la seule chose que je peux te dire, c'est vol et revol et libère-toi l'esprit. C'est la meilleure chose à faire. Le simulateur. Ouais, c'est bon, il est mieux. Par contre, parce que moi je vais vous laisser et Bibi. Mais écoute, merci à toi d'être passé, mon Chelbo. Des bisous. Et prenez soin de vous. Et à dimanche. Et à dimanche pour le Chelbo World Tour. C'est le ouais. C'est celui-là, ouais. Ah non. Non, c'est l'autre. Tour. Ouais, Chelbo World Tour. Dimanche. Au monde du nord du Japon. C'est à quelle heure? 19h. Je sais pas. Toi aussi, tu stream à l'heure de l'apéro, toi. Ouais, alors. Quand tu lances ton stream, je suis déjà au deuxième Ricard. Regarde, moi je prends bien. Je fais l'apéro. Mais bon, Rome en plein stream et tout, bon, je. Bout de 5 minutes, mais bon. C'est JP qui connaît le Rome. Mais t'inquiète pas, là, dans le chat, là, il n'y a pas que des suceurs de glaçons. Hein. Tout allez, à fait. Salut, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous.
Allez, poitiers saluté, mon petit Corse. Bon, mais voilà, on est arrivé à notre ETP. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, on va où, hein? Ouais, c'est... Eh, non, mais eh, je l'ai jamais fait cette approche. Hein. C'est la première fois que je la fais aussi. Hein. Ouais. Je sais même pas si l'aéroport il existe là sur MSFS. Normalement, il doit exister. J'ai même pas contrôlé en fait. Donc. Tu crois que non? Ben, de toute façon, c'est une bande de terre. Hein. Donc, si on voit un petit bras comme ça, on atterrit. Hein. Ouais, mais il y a juste la piste. Mais c'est le principal quoi. S'il y a la piste, c'est déjà bien. Ça leur coûte un petit peu de chaleur la nuit. Ouais. Donc on verra pas la même chose. Ah. Ça va sentir le Gaoran manuel. Il va pas ça trop falloir regarder les statistiques d'atterrissage. Tu vas faire un aéro aussi. Mieux pas, je crois. Ouh. Je peux faire même mieux que ça. Je peux faire une JP moi. Je vais arriver ta, comme une crêpe et je me retourne. Si vous voulez, vous regardez le clip de la dernière vidéo. L'avant-dernière. Il y a un clip, notre ami JP qui nous a fait un merveilleux atterrissage à Loukla. Il est où le clip? Sur la, ben sur la 24T, ouais, c'est 24T, VN, c'est quoi Loukla d'ailleurs? C'est VQ, je sais pas quoi. VQ, non? Attends. Pas la peine de regarder. mais si, mon JP, on va regarder. Attends. Putain. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Yep. Ah, elle est juste. Je pense que c'est le meilleur atterrissage à Loukla que j'ai vu de ma vie. Vidéo. Attends, ça se trouve, ça l'a dézingué. Ça fait peut-être plus de 15 jours. Hein. Clip populaire, voilà, faut regarder dans les clips, c'est marqué Diemon JP, voilà. Ça aussi, ça me... Chalet, une chalet. Yes. Ça aussi, ça m'énerve là, oui. Sur Twitch, là. Parce qu'il garde pas les vidéos, quoi, du coup, c'est trop trop. Là. Deux vidéos par semaine, mais t'as deux vidéos. Et ouais, du coup, il va rester que ton clip, JP. Tu vois, il n'y a plus la vidéo. Heureusement que j'ai clippé. Sinon, ça aurait été parti dans les abysses du. Ah ouais, ouais. Et moi donc, moi, je m'étais mis au bout de la piste en drone et tout. J'étais sûr qu'il allait réussir bien comme il faut. Jamais je me suis attendu à ça. Là, c'était juste. Mais j'ai. Ah, j'en ai pissé, j'ai failli me pisser dessus. Bon, du coup, je sais même pas à combien faut descendre. Donc, j'ai la carte. Ok. Je sais pas non. Alors, il faut être à 4500. Mais est-ce qu'on a un. Le problème c'est qu'on a un lock. Il y a un lock, mais c'est sans glide quoi, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, même pas, je sais même pas c'est comment. Faut qu'on soit, attends, faut bien que je note, faut qu'on soit à D15 à 4500. D15 c'est 4500. On va préparer la descente là parce que D9 faut qu'on soit à 3000. Ok.
D5-3. Faut qu'on soit à 1780. Donc à mon avis, faut que je descende à faut descendre 1780. On va regarder maintenant ici ce que ça nous dit dans le flight plan. Donc D15, ça a l'air d'être pas mal. Ah putain, il me met que ça. Donc il y en a un, c'est l'OM, ok, et l'autre c'est le MM. Ça va être ça, fais voir sur la carte. Ouais. Et donc c'est lui, il faut que ce soit 1780. Ici. Ici, 1780, non. Altitude contrainte, 1920. Ça n'a rien à voir. Et ça, 590, d'accord. Track 46, track 89. Et 4500, on verra bien ce qui se passe. Peut-être le mettre à 1700 et on va voir ce que ça dit. Parce que là, ah oui, mais il faut peut-être que je regarde aussi. Allez, on va commencer à prendre les vents. Hop là. Arrivé, on va prendre les vents de l'aéroport qui est juste à côté. 210 pour 4 nœuds, température 28 degrés, QNH 1004, voilà. Et la MDA. Je comprends pas, il peut pas avoir un glide alors que c'est en virage, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça va être comique, hein. Je vais vous mettre la carte d'approche. Normal, dans le Discord maintenant on peut faire un truc de discussion, il me semble. Live cabin, CO focalisation, créer assisté d'événements. Eh bien, je peux pas mettre de discussion là-dedans. Boîte de réception, c'est quoi ça? Mention non lu. Non, mais c'est des conneries. Et bon, enfin, il disait qu'on pouvait discuter maintenant, mettre un channel. Normalement, il y a un channel Live Cabin, je vous mets la carte d'approche dedans, juste au-dessus. Les gars, tu le vois.
Tchou-tchou-tchou. T'es chaud de nous faire un vol vers Lukla en phénix? T'es un grand comique. T'inquiète, ça passe. Mais pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. On peut te faire une prosime, ça. Moi je dis pourquoi pas, ça peut se tenter. Hein. Mais par contre, c'est sûr que les ailes elles passent pas quoi. Avec les murettes de chaque côté, ça passe pas. Ça c'est sûr. Mais là, j'ai bien fait atterrir à Courchevel, donc. Enfin, du moins le flight by wire. Donc, si on y croit, c'est 4500, normalement. Mais si on croit ici. Regardez ça. Et ouais, la différence entre déjà le Phoenix et le Flight-by-Wire. Le Flight-by-Wire, tu appuies sur la contrainte, tu reviens, tu te retapes tout ton plan de vol à chaque point. Ici, tu restes au même endroit où tu te trouves. Ça, c'est génial. Ouais, même avec la scène. Hein. L'avantage de Courchevel, c'est que tu n'as pas de murette sur les côtés, donc tu peux te poser. Le problème de Lukla, c'est que tu as un mur. Tu as une murette à la droite, là. Et une murette à gauche, de chaque côté de la piste. Quand après, au bout d'un moment, quand tu rentres vers l'aéroport. Et là, il passe pas. Mais le jeu, mais t'étais là quand JP il s'est planté. Il y en avait un, il a essayé de faire un décollage avec le Concorde de Lukla. Il a fait un saut, mais il est tombé à pic dans la vallée. Jacques le Concorde, il faut presque 3 km pour décoller. Alors à Lukla, tu peux avoir. Ça marche pas. Le Concorde avec son aile delta, si t'as pas, c'est les gros moteurs puissants, hein, les 4 moteurs puissants là qui le font tenir. Sinon, c'est une brique. Hein. Allez, 40 nautiques du Todd. Moi, tu es au top of descente. Toi, tu es au top of descente. Donc, toi, tu vas bientôt arriver au moment de vérité. C'est là où tu nous diras, bon les gars, il n'y a pas d'aéroport. Par contre, t'as vu? Alors, ça, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est un ILS, mais après, il n'y a plus d'ILS, faut que tu tournes à droite pour atterrir. Tu vois? C'est bizarre. L'ILS, il est en face alors que la piste, elle est à droite. C'est déjà fait ça pour un aéroport aussi, c'est bizarre. C'est un IGL, ça s'appelle. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que ça existait, ça. IGL. Ah ouais, c'est chinois, voilà. C'est... Allez, on est à 40 nautiques du Todd. Voilà, on va être à 30 nautiques. On va se mettre à 4500 déjà. Quoique je vais peut-être me mettre à l'étape juste après. Je vais me mettre à 3000 au cas où. De toute façon, il va bloquer à 4500. Puisqu'il y a la restriction, il va bloquer 4500. Et je vois si vraiment il y a un ILS, c'est bon, ça va passer tout seul. Si c'est un fou ILS. IGL. J'ai la carte, hein. Crimox, tu peux regarder. Sur le truc, hein. Je peux même vous envoyer. Ouais, je vais essayer de vous l'envoyer. Je vais voir. Normalement, je peux vous l'envoyer. Si je l'enregistre.
si je le mets là. VHX, est-ce qu'il apparaît là-bas? Normal, non, pas encore. Il se met pas à jour. Non, ah merde. Putain, je regarde pas. Ah non, bon, j'ai cru que j'allais louper le top. JP, t'as loupé le Todd, c'est pas possible. JP. JPP. JP, c'est pas CAF ou de MFS, hein? JP. JP, le problème, tu vois, c'est qu'il est trop accroché à la bouteille de rhum. Donc, il boit, et d'un coup, quand la bouteille est vide, tu vois, ça fait une loupe, et après, il s'aperçoit que la flèche, elle est partie. Ah oui, il est dans les ans. Voilà, c'est ça. C'est un bon entier, ah oui. Un vrai de vrai. Ouais. Il n'est pas vide. Ah, il y en a 20 nautiques. Il est sous la santé, les amis. Bon. À consommer avec modération. Rien. Modéré. Pas plus d'un litre par verre. Voilà. Oh, si tu mets un litre dans un verre, tu... Ah ouais, si. Hein. Ça, c'est des gros verres. Hein. Ouais, une bonne pinte. Hein. Venu, ouais. Je vais balancer la photo, il en faut 20 litres. Hein. Je pourrais pas faire la fête avec toi. Parce qu'avant de te coucher, avant de te couper, il en faut. Aussi bien. Un peu. Moi, je plie tout, moi. Je plie le bar, le frigo. Et là, il va y aller tout seul. T'as vite. T'as plus que le cadavre, hein, ça y est. Ah bah, viens à la maison, je... Un fût. Voilà. Une tireuse, quoi. Direct. Et ça, c'est pas un souci. Juste aller chercher suivant ce que tu veux. Quantité. Allez, top of descente, c'est parti. Dis, tu vas me dire, tu m'as pris pour 20 litres, ça va être mieux. Allez, passager, viens attacher vos ceintures, nous commençons... Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le remarquer, nous entamons notre descente. Nous arriverons à l'heure à notre destination. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Pouletos. Hey, coucou mon poulet, comment ça va? Nous sommes arrivés à notre top off descente. Ouais, ça va, moyen. On a un ami qui vient de perdre sa maman. On lui fait un petit vol hommage ce soir. Ouais. On pense très fort à notre ami Delta. Ouais. On pense très fort à lui. Et on l'encourage dans ce moment de douleur. Très à con encore. Yo, merci Denis encore pour. Oh, c'était quoi? C'est pas Denis. Non, c'est pas moi, je ça. Je sais pas c'est quoi. Olivier. Yo, Olivier, mais il n'y a pas d'Olivier. C'est que Olivier. En tout cas, merci à toi, Olivier. Mais il faut que je sais même pas c'est quoi parce que là, ça a bugué. En fait. Mais attends, deux secondes. Je crois que ça me.
Alors, non, je vais regarder. On va lire le message alors. Non plus. Eh ben écoute, Olivier, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je te remercie. Je n'ai rien. Je sais pas du tout. En tout cas, merci à toi. Attends, c'est un gros don de 5000 euros. Ouais, mais c'est bizarre parce que normalement c'est en direct, les trucs sont en direct, là il n'y a rien du tout. Grosse masse nuageuse sur VHHX sur KTAC. Ce niveau 2,82, on va rigoler, d'accord. Putain, ça commence. Fin passage. Si jamais il y a trop de nuages, je fais demi-tour. Le tot, ça y est, on l'a, je l'ai dépassé. Le tot, si jamais il y a trop de nuages, je fais demi-tour et j'enlève la météo. Je le connais pas du tout cette approche. Je l'ai jamais faite. Je sais même pas s'il y a l'aéroport en fait. Ça se trouve, on va voir la bande de terre. Parce que quand tu regardes sur l'image satellite, l'aéroport il n'existe plus. Hein. J'ai regardé sur Flight Radar, ils sont en train de faire un truc pour les bateaux. Hein. Emma. Non. Un golf. Non, c'est pas ça comme ils appellent, une cale, tu sais, cale à bateau là. Ah oui. Un truc de. Pour les assécher. Ouais. On va tous s'amérir. Pas dans la cale. Ils ont fait un gros trou, donc si là il y a un gros trou. Faut rentrer dedans. Et Yannick, j'atterris sur un toit de l'immeuble. Non, mais autrement, moi je vais atterrir en style comme Pouletos. J'arrive sur la piste, je pars en dérapage, je câble les roues arrière, je me mets sur la roue avant et je viens me poser bam sur le parking. Voilà, comme ça. Sinon, je vais sur VHHH. Mais, et de toute façon, faites gaffe parce qu'on passe juste au-dessus, donc confondez pas d'aéroport. Celui où vous voyez il y a trois pistes, c'est pas lui. Ça c'est si on ne trouve pas le deuxième, on revient sur celui-là où il y a les trois pistes. C'est l'aéroport de secours. Mais bon, si on fait ça, on est mort parce que le tracker il accepte pas. Quoi qu'il arrive. Eh mais déjà, est-ce qu'il le connaît cet aéroport au moins? Faudrait que je regarde sur le site, tiens, s'il nous détecte. S'il nous détecte au milieu de l'océan, si le trait il est au milieu de l'océan, c'est que y a. Ah, on fait pas qu'on fait un vol. Non, on fait pas un vol pour rien, mais. C'est-à-dire qu'au pire, t'atterris n'importe où, comme il connaît pas l'aéroport, il valide tout, quoi. Ben, Lucienne. Ok, on est trois là. Ah, ben si, il connaît. Ah, si, il connaît, hein. Donc il n'y a que Navigraph qui connaît pas quoi. Même le site il connaît, l'avion il connaît, mais Navigraph il connaît pas. Ouais. Ça s'annonce bien. J'aime ça. On va où? Keita. C'est bien ça. Mais non, regarde, il y a des trous dans les nuages, qu'est-ce qu'il dit, regarde. Terre en vue. Ok. Point et tourne. Ah, mais je sais ce que ça doit être.
je pense que Olivier, ça devait être un follow, mais d'un défollow. Puis ça s'est pas réaffiché, je pense. Je peux peut-être le voir sur... C'est... Philippe Anonymous, tiens. Maintenant, je sais pas. C'est quoi, c'est chiant. J'aime pas ne pas savoir. J'aime pas ne pas savoir ce qui se passe. Pendant une semaine, et bah... il s'est passé quelque chose et je sais pas quoi. J'ai entendu un gros gaboum. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est... Ça, c'est un truc boum qui atterrit. Voilà. Si Streamlabel il me dit rien, ben je serai obligé d'attendre. Attends, on est à combien là? 22h56, je vais être obligé d'attendre. Attends, faut que je loupe les 10 000. Non, c'est bon. Déjà que j'ai loupé les feux à la montée, si je loupe les feux à la deuxième. Ah ben non, même là, ça m'a pas mis. Hein. Ah, Olivier. Ah, mais c'était pas un truc sur YouTube, peut-être. À tous les coups. Allez, on descend, 160, niveau 160, transition attitude niveau 110. Dans 40 000, on repassera en mode... Et là, si ça tombe d'un coup quand tu repasses en mode QNH, ça te fait prendre une banane pour rien par le... C'est trop près des 10 000, ça me fait peur, ça. Si ça remonte, tu prends une banane, bah, tu seras, t'auras les feux au-dessus de 10 000. Et si tu tombes trop d'un coup, ben tu vas prendre une banane parce que tu les auras pas mis en dessous. Donc je crois que, et je sens que quoi qu'il arrive, je vais prendre une deuxième, le deuxième effet qui se coule. Je sens. Ça va. Ah, regarde oui. Ça. J'ai l'habitude. Ouais, t'es comme moi. Déjà, on va passer à côté. Donc déjà, vous voyez le point là-bas? On le voit, hein. Donc déjà, faut regarder, on va passer à la droite de Keitak. Par contre, on va passer... là, en fait... Il faut voir si on peut le voir, là, l'aéroport. Hein. Voir à quoi ça ressemble. Mais bon, vu la ouais, couche de nuages, il y a de l'humidité. Hop, on va mettre... Engine. Moi, ce qui me rassure, c'est que tes amis pilotes derrière avant moi, donc on va les... Ouais. Oui. Non, tu passes au-dessus de VHHH. VHHX, il est à droite, loin à droite. On passe pas au-dessus. JP. Ça te rassure. Moi, là, ça me rassure pas. C'est le ROM qui fait ça. C'est le ROM. Ah ouais, mais pas c'est vrai, tu dois pas encore avoir la même route. Ah non, pas de freeze, hein. Ah non. Oula, t'as vu ce qu'il m'a fait encore. J'ai cru que j'allais prendre un retour bureau encore. Ah voilà, il va commencer. Par contre, il freine, il ralentit super bien. C'est impressionnant ça. Je n'ai pas IDS 13. Tu n'as... Ouais, mais t'as même pas la star alors. Comment tu peux avoir l'approche, mon JP, si déjà t'as... T'es sûr que t'as l'aéroport au moins? Oh, Manu. Manu, tu descends. Bah, pourquoi faire?
Bah, bah pourquoi faire? Allez, 10008. Pensez à vos feux. Attends. C'est là, je vais me faire bananer là. Hop. Tu vois, non, c'est bon. Ouf. 10006. Hé. Hey. Qu'est-ce que tu fais? 10.04. Allez, on passe. 10 000. Hop. Là. Là. Allez. Normal, il est sur notre droite, logiquement. Kaitak. C'est une péninsule de terre. Toute droite. Comme un I, là-bas, normalement. Ah mais si, je l'ai l'aéroport, c'est sûr, puis j'ai pris la Seine, je suis con. Bah oui, je l'ai. Donc c'est sûr qu'il va être là. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas pris le company message, moi. Ah, ça aussi, j'ai oublié. Putain. Ouais, vite. Toi, je les ai notés, je les ai pas mis. Là. Super. QNH. 10.04. Température 28. Les vents 210.4. 210. Comment ça? Bon vas-y, 215-15 si tu veux. 210-04. Là, c'est Eiffel. Ah, le soleil se lève. 110. Et par contre, je sais plus combien j'ai dit. C'était 675 au baron. 675. Voilà. 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 Ah, tu vois, c'est ça. Ah, Kaitak, il est là, à droite, là. On le voit, là. Et nous, on va passer de l'autre côté et on va atterrir par l'autre côté. Par là, par-dessus la montagne, on va atterrir là. UEP. Je mens, c'est déjà bien. Là, on le voit. Déjà, on sait qu'il existe. Oh, par contre, il y a des gros buildings. Alors, c'est gratte-ciel. Sans déconner. Comment on va faire? Il va y en avoir partout. Il va falloir faire du slalom, je crois. Attends. Faut que je reste à 4500 là parce que non non ouais ouais faut rester à 4500. Pas de délaisse. On va dire monte à
comment ça, CH? Faut que je sois au-dessus de 8000 ACH. Non. Pas possible. Il a planté le truc. Faut que je sois à 8000. Trop bas, mais bon. Piste en vue, JP, ça pleut. On va passer bientôt au-dessus de VHHH. Et donc, on va faire le truc là. Sim sitting. Allez-y. Ah non, mais je l'aurais déjà éteint. Voilà, comme ça, vous étiez en train de faire dodo. Carico, Peppa Falling. Bon, là c'est bon. Il fait combien? 24. On a passé la couche nuageuse. On va sortir les anti-ice. Là, GG, JP, il est posé. Faut vraiment ralentir. Ah ouais, je commence à voir la pluie aussi. Là, ça va ralentir 210 nœuds. Normal, au point. Hein. Ah, voilà. Voilà, on va sortir un cran de volée. Plus one. C'est là-bas que je devais être à 4005. Voilà, là on passe. On est à peu près quand même, hein, de la montagne. Oh, magnifique! Bon, la descente est en combien de pourcents en fait? 3,1%. Bon, donc s'il faut, c'est ce qu'on va faire. Quelle arrivée magnifique quand même, hein. C'est joli, hein, le paysage. On arrive dans la vallée d'Hong Kong là, dans la vallée, dans la baie. Allez, on va mettre la deuxième restriction bientôt, comme ça. Et on va... Voilà. Le taxi, l'option. Voilà.
On va descendre, on continue à descendre. Sur le green dot. Gentiment. Allez, on va armer. One spoiler armé, auto-break sur l'eau. LDEV, VDEV, c'est une V9? Ah ouais, c'est une V9. Ah ben, arme approche, direct. Oh, c'est cool ça. Ah, ils ont scripté la V9, dis donc. Ah ben nickel, si la V9 est scriptée, encore mieux. Voilà, on n'a même plus besoin d'interagir avec. Donc c'était en V. Alors IGL, c'est une V9. C'est pas une ILS. Et c'est pour ça qu'après on aura une fin en manuel. Voilà, Flaps 2. On va sortir le train. On attend 2000. À 2000 pieds, on sort le train. Ah, on voit les lumières là, sur les bâtiments. Faut suivre les lumières. Voilà, guide down. On est à l'OM. Sign. Eh bien, sign. Non. Voilà. On est à 1400. Flap Street. Je sais pas où est la piste, je la vois pas. Je vais suivre. Je suis à 1200. Ah si, je la vois. Et je crois que je la vois. Et regardez cette approche, les amis. Allez, soyons fous. Manuel, on le reprend d'ici. Hop. Donc c'est bien le bouton d'en haut, on va faire gaffe à la tour. Hop, on va flaps full. Bon, moi je me mets là. Flaps full. Merde, il voit plus rien. Là, on va essayer de suivre la piste. Ah oui, je la vois. Elle est là-bas. Allez. Allez. Minimum. Continue. Allez. Allez. Ça va 500. Dire quoi? 500, tu es un peu haut. Enfin, quoi que je vois le papy là-bas, ça va le faire. Ça devrait le faire. Allez. 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 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Et voilà. On est posé, les amis. On est posé. Allez, on va désarmer.
Eh ben voilà, on y est. Je sais pas où je suis, mais on y est. Je sais pas si je tourne au bon côté en fait. Merci. Eh ben on a réussi, c'était pas si dramatique que ça. Mais elle est jolie comme approche, hein. Franchement, vraiment apprécié. Hein. Là, je dois dire que. Hop, on va couper les feux d'atterrissage. Ça, on va couper les wings. On va se mettre en mode comme ça. On va juste. On va commencer à armer l'APU. Par contre, c'est embêtant qu'il. Qu'il garde. On va regarder les autres. Hein. Courage, Yannick. Les autres qui vont arriver. Bon, en attendant, on va allumer l'APU. Très belle approche. Ah oui, franchement, Krimox, Yugi. Là, je dois dire, franchement, ouais, très belle approche. Je vais certainement me la refaire hors live pour pouvoir le mettre en config plus élevé. Parce que là, je vais le garder cet aéroport. Vraiment joli en plus. Et l'aéroport là, il est dispo. Hein. Je vous avais mis le lien sur Flight Sim 2. Et ils ont fait quelque chose de fabuleux. L'approche là au-dessus des buildings, elle est waouh. Magistral. Regardez-moi ces buildings là, tous ces bâtiments, les gros bâtiments. Et moi j'ai cru que j'allais en toucher. Hein. À ceux de droite là-bas là, on aurait dit la tour Montparnasse là. Je me voyais partir dedans. Ouais, c'est quoi que j'ai oublié? Ah les breaks ils sont. Ah mais ça me l'a pas remis. Bon, allez. C'est où les breaks? Mais voilà. Bon, mets-le-moi les breaks là. Voilà. Allez. Voilà. On va mettre le ventilo. Eh, hey, j'ai failli tomber dans l'eau. L'APU est available, on va mettre l'APU Blitz. Ah si, j'ai oublié un truc, je sais, le TICAS, mode standby. Bon, je sais pas où je me dirige. Et je vois qu'il y a des portes là-bas, ça va être très bien, je pense. Mais si tu regardes sur YouTube, tu cherches les approches sur KTAC, il y a des vidéos qui tournent dans les vrais cockpits d'avion. Franchement, je comprends pourquoi ils ont enlevé cet aéroport et qu'ils l'ont déplacé. VHHH là. C'est impressionnant quoi. Par où? Non, j'aurais plus l'arrivée, franchement, je l'aurais plus comparé à Tonkontin, au Honduras. L'arrivée circulaire comme ça. Sauf que Tonkontin, c'est circulaire plus plus. Parce que là, tu suis les lampes là, en circulaire.
Mais ils devraient faire ça à ton comté en fait. Faire un chemin de lampe là comme ils ont fait. Je sais pas où je vais aller là-bas au bout. Hein. Ouais, Yannick, il en est où? Je le vois pas arriver. Et Denis, t'as réussi? Toi en plus, je te vois plus. Pam 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 pam. Je vais pouvoir. Ah si, je vois les portes là-bas. Ah, mais c'est au bout les portes. La vache. Tu peux pas faire plus au bout. Mais c'est pareil, je te vois pas. Je crois que j'ai un souci que je vois plus personne. Je vois bien. Ah ouais, toi tu me vois bien. Mais moi je vois personne. Tu te promènes avec ton GP. Je me promène. Il est là-bas, il va tourner à droite. Il y a des portes. Nous on est derrière toi. Ah et bon? On est garé derrière toi. Derrière moi? Derrière moi? Pourquoi il y a un parking derrière? Ah. Ah mais vous avez pas la même scène alors. C'est ça, mais nous on a pas de scène. Ah d'accord. La scène elle est gratuite en plus. Par contre. Par rapport au consommateur mixte. Ouais. Pour l'instant la gestion du fuel dans le. Après la sortie de la World. Tu sais quoi, je pense qu'on va en discuter quand j'aurai rendu le live et que j'aurai changé de connexion internet. Pas de soucis. Parce que... oh, c'est chaud. Moi je trouve un truc. Ah bah t'offrir. Putain. Je suis sûr que ceux qui regardent que le stream, ils sont comme moi. Mais c'est pas fibre en or. Là, c'est un problème avec Discord. Il y a un problème avec Discord. Il y a tout qui fonctionne. Ouais, le stream, il fonctionne bien. Le jeu, il fonctionne bien. La connexion, elle fonctionne bien. Mais Discord, ça merde. Va savoir pourquoi. Il doit être verrouillé de je sais pas quoi. Je sais même pas laquelle porte vous avez prévu que j'aille. Moi, c'est pas. On prend la 1, voilà, de base. Regardez-moi ça. Là. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là devant? Un espèce de truc bizarre, je sais pas c'est quoi. On dirait des câbles. Ah, c'est pour que les marshmallows là. Ils doivent se mettre sur la plateforme pour te faire signe de venir ou pas. Vas-y. Vas-y, avance un peu. Avance encore un peu. Là, freine. Là, c'est beau. Faut pas être mauvais là. Ah non. Tiens. Là. Parfait. Eh, nickel. Quoi ah, c'est ça? Sûr. Joli là. Hein? Là.
Ouais, j'espère qu'il va prendre la bonne, hein. La bonne passerelle, parce que s'il prend l'autre, il m'arrache les ailes. Hein. Allez, donc, hop, on est sur la génératrice. Il n'y a pas de GPU dehors. Ok, on va le mettre après. On va rester sur ça. Ok, allez. On va continuer. Moteur 1. Et on va attendre qu'il tombe à 8%. Ouais, ben c'est ce que j'ai fait, mais ils ont double passerelle là et ça fait. Non, je peux pas la deuxième. Ça, ça me pète les ailes. Allez, moteur 2. Voilà. Voilà, c'est en train de s'éteindre. Et on va peut-être commence déboarding. Ben oui, vas-y, déborde. Et du coup, c'est non mince. Je me rappelle plus de la cabine. Elle était dans quelle cabine? Voilà. Allez, on est gentil. On va vous remettre la lumière pour descendre. Ok, moteur son éteint, beacon off, les strobes. Sur off, taxi off, ça c'est bon. Voilà, pompe bon, Yannick. Fuel. Alors Yannick, il arrive, on va voir. Oui, il se met à côté de moi. Ah, mais j'ai même pas vu atterrir. Ah ouais, mais vous avez pas la même scène, quel dommage. Là, voilà, 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 ça c'est bon. Les passagers, ils sont en cours de débarquement. C'est parfait. Alors, on va pouvoir procéder à la mise en sécurité de l'appareil. Ah, déjà, hop, là, ils vont pouvoir. La passerelle m'a transpercé. Oh putain! Sans déconner. Ah ouais? Et elle a fait un 360 pour débarquer les passagers. Aïe aïe aïe. Ouh, ils ont même scripté l'intérieur de l'aéroport. Et attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire un tour. Allez. J'ai l'impression qu'ils ont même scripté l'intérieur de l'aéroport. Regardez-moi ça. Pour du gratuit quand même. Eh, il y a des gens en plus. Regardez les gens. Il y avait quelqu'un. Ah si, il y a quelqu'un, regardez. Ils ont même scripté des gens. Il y a les passagers. Regardez, ils ont fait les couloirs et tout. Ah, c'est sympa. Hein. Bon, là, le couloir, il a un peu. Il y a un petit problème. Pas ni problème. Il y a un petit problème. Bon, il n'y a que ce couloir qui fonctionne. Mais c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Franchement, on a un couloir. C'est sympathique. Bon, après, c'est le même couloir. Hein. C'est les portes. Ok. Allez, on va retourner à notre appareil. Allez, il reste 3 sur off. Il reste 2 sur off, il reste 1 sur off. On va éteindre l'oxygène, le crew supply. Et on va arriver, on va hop, supprimer ça. La PV de Vailab, on va le prendre. On va éteindre la PU, le GPU, je veux dire. APU Blitz, on l'éteint. L'APU Master, on l'éteint. Comme ça, le temps qu'on finisse, la génératrice, elle va se décharger. Voilà. On éteint ça. Emergency Exit Light sur off. Les batteries sur off. External Power sur off. Et le temps que ça s'éteigne. Voilà, nous sommes tous arrivés.
Eh bien, qui c'est qui reste à arriver? Du coup, tout le monde est là. Tout le monde est arrivé. Donc, joli vol. Dans la baie de Hong Kong. Super beau atterrissage. Une approche magnifique. Vraiment. Yannick était le dernier. Yannick a fermé la marche. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce vol. Voilà. Notre avion est transpercé par la passerelle. Merci Hong Kong, hein. On vous enverra la facture. Yannick, sans déconner, le manche, il fait pas bizarre quand même sur la webcam. Il fait bizarre un peu quand même, hein. T'es trop fin. Ça fait bizarre quand je regarde, là je regarde le contrôle du stream, là. Ça fait bizarre. Bon, voilà. Et voilà. Triple na- alors, un peu le chat. Malabar, merci. Alors, on va reprendre. Et on était où? Yannick disait qu'il était le dernier. Merci pour le vol. Crimox, magnifique le vol. Merci. Malabar, merci. Il y a Pierre Storm, très belle nave, surtout l'approche, je crois que je vais le faire tout de suite. Merci à toi Mika et bonne nuit tout le monde. Merci à toi Pierre Storm, Seashark, merci à tous, bonne soirée. JP, merci pour ce vol, bonne soirée à tous. Les amis, je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée encore une fois pour la maman de notre ami Delta. Ce vol lui était dédié, donc Delta... On t'envoie des bisous, mon ami. J'espère que ça va pas te consoler énormément, mais voilà, ce vol est pour toi. J'espère que tu l'apprécieras. Si quelqu'un vous voulait dire un petit mot, si vous, non, en fait, vous pouvez pas parler parce qu'on va pas l'entendre en fait. Voilà, donc je vais parler pour tout le monde, au nom de tout le monde. On t'envoie toutes nos condoléances pour le décès de ta maman. Voilà. Donc on pense à toi très fort. On t'envoie plein de bisous. Voilà, pour les annonces, les amis, prochain vol de Air Côte d'Ivoire virtuel mardi. Non, pour la suite du VRE, alors c'est le IFR VR Retour. Prochain vol sur ce défi du jeudi. Donc, ce jeudi prochain, ça sera là, on fera Paro. Donc, pareil, le Phoenix, premier vol du Phoenix sur Paro. Donc, VNKT VQPR sur Paro jeudi prochain. Donc, venez nombreux aussi, je vous attends. N'hésitez pas à venir et tester votre Phoenix ou même votre n'importe quel avion que vous voulez. Essayez le 737 aussi, le Concorde, pourquoi pas. J'en ai vu qui l'ont fait et qui ont réussi. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie à tous. Les amis sur le Discord, je vais me muter sur le Discord et je reviens à vous tout de suite, le temps de rendre le live. Et voilà, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, ben encore une fois, je voudrais donner toutes mes condoléances à Delta. Voilà, on te soutient dans ta douleur. Donc on compatit grandement avec toi. On espère que tu reviendras quand même assez vite, que tu vas te changer les idées, voler avec nous, refaire plein de vols et tout ça. En toute manière, on sera là pour t'épauler. Donc aie confiance pour cela. Et voilà, nous on est là en tout cas. Les amis, je vous ai fait les annonces. On va se quitter maintenant. On va dire les mots magiques. Et avant de dire les mots magiques de la fin, là, il y a beaucoup de remerciements à faire. Donc, on va prendre la liste dans l'ordre. Donc, déjà, les follow. Merci à Malabar de nous avoir rejoints. Donc, n'hésite pas aussi, si tu voles, n'hésite pas à prendre un avion, à voler avec nous. Et voilà, il faut y aller. Donc, n'hésite pas aussi à t'inscrire sur le Discord. Tu as toutes les infos en bas de la chaîne. Tu t'inscris sur le Discord. Je mets toutes les naves sur le Discord. N'hésite pas aussi à aller voir la chaîne YouTube où je mets tous les tutos. Et les lives se font ici sur Twitch. Les amis, n'hésitez pas aussi à aller voir les chaînes des amis.
Donc tous les amis que vous avez en description et bientôt. Et non, là je peux pas partager la chaîne de YouTube. Mais par contre, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne YouTube de la compagnie, enfin de mon ami Sim2Even. Et de, vous allez voir maintenant, il y aura des vidéos autour de la nouvelle compagnie qui s'est ouverte. Donc Sim2Even Airline, qui est partenaire officiel avec ma compagnie Air Côte d'Ivoire virtuelle. Donc restez à l'écoute, de grands événements vont bientôt arriver. Et voilà, on est en train de mettre tout ça en place petit à petit, on construit, voilà. Donc ça va bientôt arriver, restez bien à l'écoute. Merci à Sofiane, le beau gosse du 93, ça va être comme ça que ça se dit, beau gosse du, le BG du 93, Sofiane. Merci à toi d'avoir follow, pareil, n'hésite pas à prendre un avion et à voler avec nous. Prochain vol, mardi et jeudi. Mardi, c'est l'IFRV retour, le jeudi. C'est pour les chevronnés, le pilote skill. Donc des aéroports comme ça, sympa. Donc ça peut être en TBM, ça peut être en C172. Ça va dépendre des, des aéroports. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les différentes VA, Air Côte d'Ivoire virtuelle, Sim2Even Airline. Bientôt, je vais mettre tous ces liens-là, de, même de Sim2Even Airline. Je vais le mettre dans la description. Vous pourrez aller vous y inscrire. N'hésitez pas. Merci à tous les abonnés à Shell Bobby qui a repris son abonnement pour le troisième mois consécutif. Merci à Pierre Storm qui a pris un abonnement pour 6 mois consécutifs d'un coup. Ouh là là, c'est avoir les galons, Pierre Storm. Les galons du 6 mois qui vont tomber tous les mois, c'est bien ça. Balou 51, merci pour ton abonnement et merci pour l'abonnement cadeau que tu as offert, un abonnement communautaire. Et merci à Denis Bedeau pour deux abonnements qu'il a offert ce soir aussi sur le live. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vous fais des gros bisous les amis. Et je garde encore une pensée pour mon ami Delta. Vraiment, ça me touche. Et voilà, je t'envoie toute mon énergie, je t'envoie mon cœur. Et je te dis, ce live est pour toi, ce live est pour ta maman. De là où elle est, j'espère qu'elle nous a regardé et qu'elle aura apprécié ce vol. Voilà, voilà, les amis, il est temps de se dire au revoir. Donc, les amis, vous savez très bien, je vous fais des gros bisous. Si je suis là, c'est grâce à vous et pour vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, ne l'oubliez pas, la simu, ce n'est que de la simu. Amusez-vous, profitez de votre vie. Fly safe, les amis. Peace, je vous fais des gros bisous. Delta, ce live, il est pour toi.